comme ça que je suis obligé de prendre la douche en vitesse. M'habiller rapidement. 2 minutes avant d'entrer sur la scène. Vous me demandez ça pour venir vous parler de qui, donc? Ferland. Ferland, oui, oui. Ferland Gignac. Vous parlez de Ferland Gignac. Ah oui, tout ça pour Jean-Pierre Ferland. Vous l'avez d'audace. Vous avez beaucoup, beaucoup d'audace. Ben, écoutez, je vais y chanter un petit bout de chanson. Je sais pas ce que je vais raconter dedans, mais en tout cas. C'est pour toi, mon ami Jean-Pierre. Pour toi tout seul que je fais ça. Dans mon âme, dans ma tête, il y a, comme autrefois, un petit roi qui règne sur tous ses sujets, comme en son royaume. Poser l'air. Tu sais, quand je parle de l'air, Jean-Pierre, tu te fous de ma gueule continuellement. Tu ris de moi à la télévision. Là, ils me demandent de prendre un hommage. Tu te rends compte que c'est pas facile pour moi de prendre un hommage? T'es plus laid que moi. Qu'est-ce que t'as de si belles dents? De si beaux yeux? Quand je t'avais dit que si t'étais une femme, t'aimerais ça marier un homme riche, ben moi, si j'étais une femme, je te marierais. Parce que je suis sûr qu'avec ta beauté, j'aurais la paix. Ah, cher Jean, ça, j'avoue que je pense que j'ai fait ce métier-là pour le rencontrer, parce que là, j'admire beaucoup. On se fait une petite pause et on vous revient tout de suite après. Merci beaucoup de